L'entreprise Colasrail existe au Maroc depuis 2009 sous cette appellation. Elle a déjà participé à plusieurs projets d'infrastructures ferroviaires, notamment sur la liaison Taouret Nador ou sur la liaison du port Tangemed et plusieurs autres projets d'infrastructures, notamment aussi le marché voie caténaire basse travaux de la LGV marocaine entre Kenitra et Tanger. Et puis enfin sur pas mal de projets, d'infrastructures. C'est une entreprise donc multitechnique qui opère sur plusieurs secteurs d'activité, à savoir la voie, la caténaire, les sous-stations, les courants faibles. Sur ce projet en particulier, l'ONCF nous a confié la réalisation de 21 sous-stations, dont 15 nouvelles et 6 postes en réhabilitation. Et puis par la suite, nous avons décroché aussi d'autres contrats pour 11 nouvelles sous-stations. La sous-station électrique est composée de trois parties. La première partie extérieure, constituée par un ensemble de dispositifs qui servent comme une portique d'entrée du courant alternatif 60 kV fourni par l'ONE. Un bâtiment technique constitué par plusieurs appareils électriques, comme des transformateurs de courant, des disjoncteurs ultra rapides. Ce bâtiment est grasse et ce dispositif transforme le courant alternatif 60 kV à un courant continu 3 kV. La troisième partie est le portique de départ 3 kV continu lié avec les lignes aériennes de contact LAC qui sert à alimenter les trains de l'ONCF. Je m'occupe aujourd'hui de pas mal de tâches, notamment les essais et la mise en service des sous-stations et des poses de sectionnement. Ces tâches qui consistent principalement à faire le test fonctionnel des équipements électriques qui sont en place, suivant une procédure que nous avons développée sur la base d'un modèle standardisé par Colasrail. Et éventuellement, au fur et à mesure, j'essaie d'examiner et d'apporter des solutions en permanence quand il se trouve qu'il y a des erreurs au niveau du câblage ou des problèmes techniques au niveau des équipements. Parmi mes principales missions au sein de ce projet, c'est la gestion administrative et relationnelle du client, des fournisseurs et aussi des sous-traitants. Et aussi la gestion et le suivi des commandes, que ce soit en dirhams et en euros. Je m'occupe de tous les plans guide génie civil et les plans électriques, que ce soit basse tension ou haute tension. Je m'occupe d'études, suivi des travaux des maîtres pour notre projet pour l'ONCF. On a déjà réalisé pas mal de sous-stations et toujours on a des choses à faire. Parmi les tâches que j'ai effectuées, c'était la réalisation des carnets de raccordement et normalement l'assistance à la mise en service. Il y a aussi la coordination entre les différentes équipes, c'est-à-dire l'équipe qui ont câblé les armoires et aussi l'équipe de Colasrail. Colasrail s'engage à réaliser ce projet en respectant les normes de sécurité, l'environnement et la qualité. En ce qui concerne le pilier de sécurité Colasrail certifié OSAS 18001, cela se traduit sur nos différents chantiers par le respect total du port des UPI, par l'adaptation des moyens de travail à chaque poste de travail et par le respect des instructions de sécurité. En ce qui concerne le pilier de l'environnement, Colasrail certifié également ISO 14001. Cela se traduit par le respect total de l'environnement. En ce qui concerne le pilier qualité, Colasrail certifie également ISO 9001. Cela se traduit par la satisfaction totale de notre client, par l'écoute de notre client et par le respect des normes qualité tout au long de notre projet. Donc le projet il consiste à réaliser 21 sous-stations dans un délai de 2 ans pour un montant qui avoisine à peu près les 200 millions de dirhams.
Et en plus de ça, donc, nous avons aussi eu d'autres contrats pour la réalisation de 11 autres sous-stations pour un montant équivalent de 60 millions de dirhams. Aujourd'hui, Colas Rail, en plus de ce projet, enfin sous la direction de Colas Rail Maroc, exécute également des projets de réhabilitation des gares entre Settat et Marrakech. Il vient de décrocher aussi la LAC et, les sous-stations pour le tramway de Casablanca, ligne 2, après avoir réalisé la voie de la ligne 1 de Rabat et de Casablanca.